Bonjour, Monsieur Lagu, ça va bonjour, bien? Bonjour, ça va très bien. On veut parler de l'expérience Garaflab un petit peu. Ça fait plaisir. Comment vous nous avez vu, où vous nous avez vu? En fait, j'étais avec ma conjointe, puis on était en voiture, puis on a vu, ça faisait un bout de temps qu'on cherchait un contracteur pour un garage. Puis là, on a vu votre camion, c'est ça. On fait des petites recherches Internet, puis comme de fait, les commentaires des gens étaient excellents. Fait que je lui ai dit, bon, ben, on va essayer d'avoir une rencontre, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre projet. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est défilé, de fil en aiguille. Puis on a un super beau produit final. Merci. Puis quand on s'est parlé après, est-ce que la communication était facile? Je dirais que c'est une de vos forces parce que, comme vous savez, aujourd'hui, là, il faut courir après tout le monde tout le temps. Tu demandes un service, tu achètes de quoi? C'est jamais, il faut toujours courir après tout le monde. Avec vous autres, c'est impeccable. Les suivis se font rapidement. T'es dans 24 heures. Puis la communication est excellente. On arrive toujours à se comprendre sans passer par 15 000 chemins. C'est clair et net. Puis tu sais où tu t'en vas. Ça, c'est bien apprécié. Bien apprécié. Super. Puis au niveau de la construction, votre expérience Garaflab, ça s'est fait comment? Est-ce que c'était bien? Est-ce que tout était correct sur ce niveau-là? À ce niveau-là, à chaque étape, de la slab à la toiture, je te dirais que comme j'ai pas vraiment rien de négatif à dire. Ça a été sa coche tout le long. Les gars savaient où ils s'en allaient. Puis je suis une personne qui est assez méticuleuse. J'ai œuvré en menuiserie et en construction avec mon grand-père. Puis je sais quoi regarder, je dois dire ça. J'ai pas un mot à dire. C'était impeccable, les gars. La communication était super avec eux également. Ils sont très courtois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils posent des questions. Ils disent « Hey, t'as-tu pensé à ça? Okay. Comment tu veux tes joints dans le vénile? Veux-tu les voir de là ou pas là? » C'est pas tout le monde qui fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive, bang, puis tu payes, puis tu t'en vas. Mais avec vous, c'était une autre expérience. Puis les gars, t'es vraiment bien pour tout ça. Tout le monde là. Était consciencieux sur ce niveau-là, d'un fois. Ouais. Et puis, niveau qualité-prix, est-ce que vous avez été satisfait? Ben, je dois t'avouer qu'on a fait le tour. Puis vous étiez vraiment dans la moyenne. Puis le prix était très, très bon. Puis qualité des matériaux, c'est top. C'est monté minutieusement, puis vous pensez à votre affaire. Donc, ça, là, c'est quelque chose de gros. Donc, en termes de prix, moi, je dis que c'est super. Puis au niveau du temps, est-ce qu'on a respecté vos demandes? Malgré des fois la pluie, c'est tout ça. Oui, la pluie, des choses. Il y a des circonstances qui font que des fois, tu ne peux pas venir une journée. Ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du domaine. Mais le déroulement, ça a été assez rapide. Là, tous les voisins sont là, mais ça va monter vite, mais ça va monter vite. Fait que, c'est parfait. Moi, je trouve que ça a été une superbe expérience. Vraiment. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir. Ouais.